Bonjour, c'est Bernard Arnault qui vous parle. Vous l'avez vu, vous l'avez senti, vous l'avez expérimenté. Les petits médias indépendants ont joué un grand rôle ces dernières semaines. Donc, là, nous, on a du bon. Les blasts, les street press, les Mediapart et d'autres ont fait beaucoup pour nuire au pays ces derniers temps. On va essayer de mettre le paquet avec nos modestes moyens. C'est-à-dire qu'il y avait une réunion à 18h, privée. Nous avons rallumé la flamme de l'esprit. Mes chers compatriotes, je vous l'ai dit, cessez de financer la presse indépendante. Cessez de donner de l'argent à ces gens dont on ne sait rien. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote sur Emmanuel Macron. Il me parle en allemand et il me dit une phrase. Les gens à côté me disent, il t'a cité Carl Schmitt en allemand. Et la police, c'est notre affaire. Un ministre de l'Intérieur ouvertement d'extrême droite, c'est inimaginable. Michel Zecler est avec nous. La France a besoin d'apaisement, pas d'investigation. La France a besoin de calme, pas d'agitation journalistique. Ah putain, on a été gazé là. Parmi les médias indépendants, l'un d'eux a retenu notre attention. La petite équipe au gros cœur et au poste. En quelques semaines, plus d'une centaine d'heures de live. Des interviews au long cours. Avec Yoann Chapoutot, Michael Zemmour, Marine Tondelier. Bah écoute, vendredi je suis venu te voir, je sais pas, tu m'as dit faut faire l'union, j'ai dit d'accord. Manuel Bompard. Ah on se moque de moi là, Bompard soutient au poste mais devant la mauvaise caméra. Celle-là elle est bonne ou pas? Faites un don à Au Poste. Comment je vais rester indépendant si Bompard il demande aux gens de faire un don? Oh ouais, c'est vrai ça. Et des lives, impromptus, sauvages, dans les rues, dans les QG. Est-il bien raisonnable de financer ce genre de médias indomptables? Au Postien, au Postien. Merci infiniment pour votre soutien ces derniers temps. On a explosé tous nos records et nos corps. Les dons mensuels nous permettent de prévoir l'avenir, de pérenniser le projet. Au Poste a fait son trou, on compte bien le creuser encore. Merci infiniment à tous ceux qui peuvent, à tous ceux qui veulent faire un don, même modique, mensuel. C'est comme un abonnement, ça nous permet de voir plus loin. Merci beaucoup, bel été à tous, comptez sur nous, on compte sur vous. À bientôt.